étude de texte. On va donc faire une lecture linéaire de ce texte-là, extrait du chapitre 2. C'est un extrait qui a été proposé dans un examen régional. Eh bien, j'essaierai de soulever avec vous, en parcourant ce texte, en l'analysant, toutes les questions à fur et à mesure, toutes les questions qui pourraient être posé à l'examen, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en évidence la signification de ce texte-là, mieux le comprendre, mieux comprendre sa stratégie argumentative, voir le style de Victor Hugo, voir comment est-ce qu'il arrive à persuader, à influencer le lecteur par le style. Donc, c'est un extrait du roman Engagé, le dernier jour d'un condamné, le roman à thèse qui a été écrit par Victor Hugo en 1829 dans le but d'abolir la peine de mort. Il fait parler un jeune condamné, donc il s'agit d'un témoignage, réaliste, un témoignage poignant d'un jeune condamné qui passe plus de 5 semaines en prison. Alors le jour J arrive, le jour du verdict, c'est le chapitre 8, le chapitre 2 qui commence par, j'allais dire le mois 8, le mois d'août, un matin du mois d'août, c'est le chapitre 2 qui commence par, c'était par une belle matinée du mois d'août, c'est le jour du verdict. Lui, il avait dit dans ce chapitre-là que les gens, que les juges ne pouvaient pas prononcer une pareille dans une si belle journée. Il avait de l'espoir, il était sensible à toute la vie qui était autour de lui, à la beauté, à la lumière, voilà, mais il ne s'attendait pas à ce verdict cruel. Les juges sortirent, puis ils rentrèrent et le président me lut mon arrêt. Là, j'attire votre attention sur la valeur du passé simple. C'est un temps du récit. Vous avez là trois verbes. Sortir, rentrer, me lut mon arrêt. Eh bien là, c'est la valeur du passé simple, action terminée dans le passé. Mais quand les verbes se suivent comme cela, c'est pour mettre en évidence, pour mettre en valeur, la succession rapide d'événements, d'actions terminées, succession rapide d'actions achevées. C'est également pour mettre, pour exprimer une certaine tension, hein, tension vécue par ce jeune condamné jusqu'au moment où le verdict, l'arrêt tombe. C'est le verdict qui tombe. Un verdict tellement choquant, c'est ce qui lui fait dire, là, je marchais ivre et stupéfait, ivre. Stupéfait, ivre, oh, ça veut dire suite à cet arrêt-là, à ce jugement, ivre et stupéfait, ivre, ça veut dire obnubilé sous l'effet de l'émotion et stupéfait, tellement étonné que je ne pouvais pas réagir, que je suis resté sans réaction. Alors, là, il y a des couleurs pour nous faciliter la lecture. Regardez ce qui est mauve, donc c'est la répétition, condamné à mort, condamné à mort, condamné à mort, comme un écho, on verra tout à l'heure quel est l'effet de cette répétition. Également là, sur cette verticale là, vous avez ce rua, ce pressé, en courant, ça c'est le peuple, c'est le mouvement du peuple, il y a une certaine violence, ce rua, ce pressé, courant. Et pour montrer une certaine joie, excitation du peuple, un certain enthousiasme, c'est comme pour assister à un spectacle agréable, alors qu'il s'agit du spectacle de la mort. Vous avez là, qu'on me menait, je marchais, et au bas de l'escalier, c'est pour la description dynamique, on verra cela tout à l'heure, l'opposition entre maintenant et auparavant. Vous avez là en bleu deux figures de style, ce sont des énumérations. Je m'étais senti respirer, palpiter, vivre. Avant le verdict, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre. Et voilà,
Et également, avant le verdict, il était sensible à la beauté de la nature. Regardez là, ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur. Et là également, on aura à voir la progression de la référence au peuple, au public, au spectateur. Au début, c'était la foule, ça devient ce peuple, et puis ces hommes, ces femmes, ces enfants, et puis les passants, crier, les passants, le cri des passants qui est omniprésent, présent partout, c'est comme pour rappeler à ce pauvre condamné la réalité, alors que lui, peut-être, il essayait, peut-être tellement choqué de ne pas y penser, mais c'était la réalité, c'était le peuple qui la lui rappelait. Les juges sortirent, puis rentrèrent, et le président, le juge, me lut mon arrêt. Condamné à mort, dit la foule. Condamné à mort, dit la foule. Eh bien, le président me lut mon arrêt. On s'attendait à ce qu'il nous dise, dit le juge, mais c'est pas le juge qui dit, c'est comme si c'était la foule qui devient le juge. Condamné à mort, dit la foule, étant comme un écho au verdict prononcé par le juge. Et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple, là il y a une, voilà, indirectement, une, voilà, une invective, là, ce peuple, j'allais dire, voilà, un cri, voilà, d'indignation contre ce peuple-là, qui l'a dévalorisé par ce adjectif possessif, ce peuple, ce rua, ça veut dire avec un mouvement fracassant, un mouvement violent, c'est de la violence de ce peuple, se rua sur mes pas, derrière moi, avec le fracas, avec le bruit d'un édifice qui tombe, qui se démolit. Moi, je marchais ivre et stupéfait, tellement étonné, perclus. Je ne pouvais pas réagir sous l'effet du choc de cet arrêt. Une révolution, un grand changement venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, jusqu'à l'arrêt de mort, c'est-à-dire avant, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre. Énumération pour mettre en valeur l'espoir de vivre, la vie. Dans le même milieu que les autres hommes. Je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, tout a changé. Je distinguais clairement comme une clôture, une barrière entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait. Voilà, donc c'est comme une clôture entre le monde et moi. Je veux dire qu'il est déjà considéré comme mort. Il n'est plus de cette vie entre lui et la vie, tout un mur, il a déjà un pas, un pied dans la tombe, il n'est plus de ce monde, rien ne m'apparaissait plus sous les mêmes aspects qu'auparavant. Ces larges fenêtres, regardez là ce que j'ai mis en gras hein, pour renforcer cette énumération, ce sont des modalités appréciatives pour mettre en valeur ce qui va perdre, la beauté, la nature, qui va perdre, la vie, qui va perdre. Et là, nous avons le narrateur, le romantique, l'auteur aussi derrière, un romantique qui met en valeur le moi de l'être humain, la valeur de l'être humain qui se distingue des autres créatures par sa pitié, par l'amour, par les valeurs, par la beauté, par la sensibilité à la nature. C'est le romantisme, c'est Victor Hugo, le romantique. Ces larges fenêtres, modalité appréciative. Et en même temps, une énumération. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle. Ça veut dire, était devenu. Regardez la transformation. Il n'y a plus de couleur. Il n'y a que le blond et le pâle. C'est la connotation de la mort, renforcée par ce mot-là, linceul. Linceul, c'est le tissu qui enveloppe le cadavre. Le mort, tout cela était blanc et pâle de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient donc avec violence, mais avec insistance, d'où l'intérêt de voir la valeur de l'imparfait se presser durablement et en insistant pour voir le spectacle, excités, ils tiennent à voir le spectacle, se pressaient sur mon passage, derrière moi. Je leur trouvais des airs de fantômes.
Je les voyais comme des fantômes. Désert 2, c'est comme, là, c'est un outil de comparaison, ils étaient comme des fantômes. Je leur trouvais des airs de fantômes. Et là, c'est une description dévalorisante. Voilà. Concernant ce peuple-là, ce peuple, et puis qui devient là fantôme. Au bas de l'escalier, regardez là, quand on me menait, moi je marchais au bas d'escalier, tous ces verbes et ces indicateurs de temps qui montrent que le narrateur se déplace en décrivant. C'est-à-dire, tout en se déplaçant, il nous dit voilà l'horreur de ce qu'il voit et de ce qu'il ressent. Et là, c'est une description qu'on appelle dynamique, itinérante. Il se déplace en décrivant. C'est la description qui n'est pas statique, mais elle est dynamique. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Une noire et sale voiture grillée m'attendait. Noire, donc c'est la mort, sale. Voiture grillée, une grille, donc impossibilité de fuir. Voiture grillée, impossible de fuir. M'attendait comme un monstre, c'est pas comme une personne, mais comme un monstre. D'où la figure de style, de métaphore. C'est une métaphore parce que la voiture l'attendait comme l'attendrait un monstre, une créature monstrueuse. Et c'est pas une gradation, noir, sale, grillé. Non, c'est seulement noir et sale, voiture grillée. Noir et sale, voiture grillée. Au moment d'y monter, Y renvoie à la charrette, ou dans la charrette, je regardais au hasard dans la place. Un condamné à mort, criaient les passants en courant vers la voiture, en courant pour également, voilà, exprimer cet enthousiasme, cette excitation, cette joie qu'éprouvent cyniquement, cruellement, le peuple qui devient spectateur face au spectacle de la mort. Condamné à mort. Nous avons dit que ce condamné à mort, c'est comme un écho, c'est comme là pour lui rappeler la réalité, voilà, ce qu'il ne réalisait pas. Donc, c'était vrai, c'est pas un rêve comme il avait dit au premier chapitre, c'est la réalité. Et cette réalité-là, elle est rappelée cyniquement par ces cris. Voilà, en mauve, là, en couleur mauve, ces cris répétés en écho et en boucle, hein, j'allais dire, par les spectateurs. Voilà, nous arrivons maintenant à la deuxième partie. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Phrase interrogative rhétorique qui montre son acceptation, sa capitulation, sa résignation face à la mort. Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis, des délais indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Là, c'est une réflexion philosophique du moment que lui, c'est un lecteur, un homme cultivé, il se permet de faire ses réflexions, bien sûr, philosophiques dans cette situation-là où le destin le frappe, donc c'est inexorable, c'est inéluctable, inévitable, cette fatalité, que ce soit tôt ou tard, tout le monde va mourir, étant donné que la mort est comme une épée de Damoclès au-dessus des têtes de chacun des mortels. Lui, il est mortel, donc il mourra. Et pourquoi pas maintenant? Donc il accepte ça avec voilà, résignation, son destin. Bien sûr, il veut se soulager, se réconforter, s'apaiser face au premier moment, juste après le verdict où il n'a pas pu supporter. Et pourquoi non? Eh bien, pourquoi non s'oppose justement à ce sentiment du début où il est resté ivre et stupéfait son mouvement. Maintenant, il commence à réaliser voilà, que c'était la vérité, donc il ne peut pas fuir. Il affronte alors la mort. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité? Et puis là, regardez, et puis, donc, en vérité, ce sont des liens logiques, argumentatifs. Il est en train d'argumenter, de s'autoconvaincre pour se rassurer. Et en même temps, il argumente afin de persuader tout le monde de la vérité de ce qu'il dit.
C'est une autre phrase, comme dans le premier paragraphe, qui commence par la phrase interrogative rhétorique. Là, c'est une phrase interrogative un peu plus longue. Elle est aussi rhétorique, qui contient une affirmation sous-entendue. Autrement dit, l'affirmation, c'est il n'y a rien à regretter. Il le dit sous forme de phrase interrogative. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? Donc, rien. En vérité, voilà ce que je vais regretter. Je vais regretter le jour sombre. Si je reste en prison à perpétuité, toute ma vie, dans la maltraitance, voilà ce qui va m'arriver. Voilà, le jour sombre, est-ce que je vais regretter ça? Non, je ne vais pas le regretter. Ce n'est pas quelque chose qu'on regrette. Est-ce que je vais regretter le pain noir? Donc là, regardez, c'est une longue énumération que j'ai soulignée avec les traits sinusoïdaux, le trait en zigzag là, le trait sinusoïdal. Le pain noir du cachot, de la prison, de la cellule, non, on ne peut pas regretter ça. La portion, ma part de bouillon, de soupe maigre, maigre, ça veut dire où il n'y a que de l'eau et voilà, et de l'huile et du sel. Voilà, donc elle est maigre, il n'y a pas de viande, il n'y a même pas de légumes. La portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, traité rudement, voilà ce que je vais perdre. Donc c'est pas quelque chose qu'on perd. Être rudoyé, moi qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé, maltraité, violenté. Regardez là le champ lexical de la maltraitance en prison qui est, voilà, qui est très. Très, très présent, la présence du champ lexical de la maltraitance en prison, qui est développée justement dans le chapitre 13 aussi. Être brutalisé, les guichetiers et les gardes chiourme. Les galériens, c'est les forçats, ceux qui sont condamnés aux travaux forcés, et ceux qui les gardent, on les appelle les gardes chiourme, les gardes des galériens, les gardes des forçats. Eh bien, est-ce que je vais regretter ça? Non. Cette violence, non. Être brutalisé des guichetiers, des gardiens, non. Et également être brutalisé des gardes chiourme, c'est pas quelque chose, c'est pas une souffrance qu'on peut regretter. Ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole, eh bien là, je ne pourrai jamais l'accepter. Voilà, je ne suis plus crédible, on ne m'entend plus. Moi, je suis le criminel. Donc, est-ce qu'on peut entendre un criminel? Est-ce qu'un criminel peut avoir droit à la cité, un droit au chapitre, parler, dire son mot? Non. Eh bien, c'est douloureux d'être de vivre dans une société ou dans un milieu où on n'entend pas votre voix. Est-ce que ça, je vais le regretter? Eh bien, non. Donc, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je le rende. Sans cesse tressaillir, sans cesse avoir peur, cette obsession de la mort, obsession de ce que j'ai fait, le crime que j'ai commis, que je reconnais, et de ce qu'on va me faire, et de ce qu'on me fera. Toujours, je vais vivre dans le crime et la peur de la violence qu'on va me faire subir. Voilà, à peu près, les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Les seuls biens, c'est cette énumération, bien sûr, comme vous l'avez constaté, ça ne parle pas de biens. Autrement, c'est le contraire, c'est la maltraitance. Eh bien, il utilise là une antiphrase, ironie, c'est une ironie. Voilà. Finalement, je ne vais rien regretter puisque voilà, c'est les seuls biens que je vais regretter. En réalité, ce ne sont pas des biens, mais c'est de la torture, c'est de la maltraitance, c'est de l'humiliation, c'est du mépris, c'est du rejet. Tout ça, non, c'est insupportable. Regardez là l'omniprésence du champ lexical, de la présence partout du champ lexical de la prison et du personnel pénitentiaire, les employés de la prison. Donc la prison, le cachot. Les galériens, gardes chiourme, le bourreau, les guichetiers, voilà, donc le bourreau, et après, à la fin, comme si c'était le plus douloureux, le plus cruel, le plus horrible. Vous voyez? Alors maintenant, il nous reste un point essentiel à traiter, c'est le découpage. Comme vous avez vu, on a vu deux parties, la première partie de la première ligne à la ligne 12, c'est de 1 à 12, c'est la première partie, et là, le premier réflexe que vous devez à chaque fois
avoir en cherchant le titre qui convient, c'est chercher le champ ou les champs lexicaux dominants. Eh bien, on a vu tout à l'heure que c'était le jugement, que c'était le désespoir, que c'était un mouvement insupportable du peuple qui scandalise le narrateur et qui lui fait peur en même temps. Et c'est pour cela qu'on pourra dire tout cela sous le titre qui pourra convenir. C'est à tout cela, c'est les affres du jugement. Le mot affre, bien sûr, qui signifie aussi l'angoisse face à la mort. Mais voilà, on peut dire également le désespoir d'un condamné, un condamné désespéré, ou bien le titre qui conviendrait, à mon avis, c'est les affres du jugement. À mon avis, bien sûr, vous pouvez également vous-même faire votre propre titre, il sera aussi bien que celui-là, étant donné que voilà, vous devez, seule contrainte, c'est que cela soit en rapport avec les champs lexicaux dominants et les sentiments aussi du narrateur. La deuxième partie, vous l'avez vu, un condamné qui se résigne et qui accepte la mort, finalement, on peut dire eh bien, l'acceptation de la mort ou la résignation du condamné face à la mort, la résignation face à la mort. Après donc, l'étude de ce texte, on va maintenant répondre aux questions, les questions qui ont été proposées à l'examen régional. Alors, répondez aux questions en formulant des phrases complètes chaque fois que cela est possible. Donc, vu l'espace dont on dispose dans cette diapositive, on ne peut pas se permettre de faire de très longues phrases. Donc, on va faire travail plutôt oralement. Mais à un moment, il devrait le faire par écrit. Sauf que le jour de l'examen, si vous avez une réponse courte, oui, pourquoi pas. Parce que, voilà, oui, c'est plutôt l'évaluation de la fin de l'année pour la note. Si vous dites un seul mot correct ou deux alors que d'autres font une phrase, donc vous aurez une même note. Mais moi, je préfère que vous vous habituiez à faire de bonnes phrases, de longues phrases, parce qu'il ne s'agit pas seulement de vous préparer à l'examen, mais essentiellement d'apprendre la langue française. Alors, répondez aux questions suivantes pour situer le texte. Dans ce texte, le narrateur est-il au tribunal, à Bicêtre ou à la conciergerie? Alors, dans ce texte, d'après ce texte, le jeune condamné est au tribunal, c'est-à-dire au palais de justice. Quelle est la preuve? La preuve, c'est que c'est le mot arrêt, hein, donc pour entendre son arrêt, c'est le mot arrêt à la fin de la première phrase. Donc, pourquoi est-il dans ce lieu? Il est dans ce lieu, il est au tribunal pour entendre son jugement, pour entendre le verdict. Ou la voiture noire. La voiture noire, c'est une périphrase pour dire la charrette. Ou la voiture noire l'emmènera-t-elle après? Elle l'emmènera, cette voiture noire l'emmènera à Bicêtre. Pourquoi à Bicêtre et pas à la place de Grève? C'est parce que il va faire le jour même son appel. Il va se pourvoir en cassation, donc il devra attendre quelques jours après avant d'avoir la réponse. Le rejet de son appel, c'est après le rejet de son appel qu'on va le transférer à la conciergerie, au palais de justice, puis du palais de justice vers l'hôtel de ville et la place de Grève, là où se dresse l'échafaud pour la décapitation. Donc, elle l'amènera à Bicêtre pour attendre la réponse à son appel. Le narrateur décrit son état avant et après sa condamnation à mort. Eh bien, ce qui, oui, c'est vrai. Ce qui le montre, c'est les deux adverbes de temps, maintenant et auparavant. Alors, B, dans quel état d'esprit le narrateur était-il à chacun de ces deux moments? Alors, regardez le tableau. Avant, il avait de l'espoir, il était optimiste. Après, il est désespéré, il se sent coupé du monde et de la vie. Qu'est-ce qui justifie cette réponse d'après le texte? Donc, vous devez relever ce que vous prenez du texte, les phrases prises du texte, à mettre en guillemets, jusqu'à l'arrêt, donc ça c'est avant, jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Ça c'est avant. Ah, oui, mais après, tout cette beauté de la vie,
Tout cela était blanc et pâle, donc là c'est l'opposition des couleurs, était blanc et pâle de la couleur d'un linceul. Donc la connotation de blanc et pâle, c'est la connotation de la mort qui correspond justement au mot linceul qui est, oui voilà, le tissu qui enveloppe le mort avant son enterrement. La suite. En décrivant son état, quel sentiment le narrateur veut-il provoquer chez le lecteur? Eh bien, en décrivant son état de cette façon, le narrateur veut apitoyer, émouvoir les lecteurs, susciter leur empathie. Ce sont des synonymes. Apitoyer, on peut dire émouvoir, dans le but de susciter leur empathie. Apitoyer, émouvoir, dans le but de susciter leur empathie. B. Donc, quelle tonalité ou registre donne-t-il à son texte? Eh bien, il donne à son texte la tonalité pathétique pour mettre en valeur sa souffrance. L'opposition entre son espoir d'avant et son désespoir de maintenant. 4. Le narrateur porte sur le peuple autour de lui un regard positif ou négatif, bien sûr. Il porte sur le peuple autour de lui, ses spectateurs, ce peuple, un regard négatif. Qu'est-ce qui le montre? Alors, justifiez votre réponse par une comparaison tirée du texte. Eh bien, je leur trouvais des airs de fantômes. Des airs d'eux est un outil de comparaison. Ils étaient comme des fantômes, voilà, qui faisaient peur. Ils sont déjà dans l'autre monde. Il est dans un monde et eux, ils sont dans un autre. Ils n'ont plus leur aspect d'être humain, mais plutôt de fantôme. 5. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Quelle est la figure de style employée dans cette phrase? Eh bien, c'est la métaphore. Elle attendait comme un monstre, donc elle était monstrueuse. Cette figure de style met en valeur chez le lecteur un sentiment de fierté, de malheur ou de colère. Autrement dit, quel est l'effet recherché par l'emploi de cette figure? Eh bien, cette figure met en valeur le malheur du condamné et son désespoir, bien sûr. Alors, regardez cette voiture qui va le conduire à la mort. Dites 6. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, justifiez la réponse à partir du texte. Donc vous devez citer le texte entre parenthèses, entre guillemets. Les affirmations, la première, le narrateur n'est pas surpris par sa condamnation à mort. Si, il est surpris, donc c'est faux. Je marchais ivre et stupéfait, donc, très étonné, donc surpris. Le narrateur est un homme cultivé. Oui, il est cultivé. Qu'est-ce qui le montre? Je me rappelle l'avoir lu. Donc, c'est un grand lecteur. Dans je ne sais quel livre, autrement dit, il lisait beaucoup de livres. Le narrateur avait reçu une bonne éducation. Oui, c'est vrai, moi qui suis raffiné par l'éducation. La suite de l'exercice. D'après les deux derniers paragraphes du texte, le narrateur accepte-t-il sa condamnation à mort? Relevez à partir de ces mêmes paragraphes deux arguments qui justifient votre réponse. Oui, bien sûr, il l'accepte. Il accepte sa condamnation. La justification. Eh bien, c'est les deux phrases interrogatives rhétoriques. Eh bien, pourquoi non? Finalement, oui, évidemment, mais pourquoi fuir? C'est la réalité, il faudra l'accepter. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? Donc, si je pars, je ne vais rien regretter. Donc, il se résigne. Il accepte. Ben, il n'a pas le choix. 8. Quel est votre point de vue sur la réaction des gens à l'égard du narrateur après sa condamnation à mort? Alors, les étapes que je vous suggère. Alors, l'étape bleue, l'étape verte et l'étape rouge. Comment les passants se comportent-ils à l'égard du narrateur après sa condamnation? D'abord, commencez par décrire comment ils réagissent, comment les gens réagissent-ils, et puis exprimez son point de vue. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec ce comportement, avec cette réaction?
Et puis, pourquoi? C'est la justification. Pourquoi? C'est-à-dire, vous dites, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Alors, les gens courent dans tous les sens et crient comme pour exprimer leur joie lors d'une fête. Voilà, de façon assez neutre, je décris ce qui se passe. Et puis, j'exprime mon point de vue. Je désapprouve cette façon de se comporter. Je n'ai encore pas porté de jugement. De jugement. Voilà. Et pour la justification, je vais justement exprimer ce jugement-là et le justifier. En effet, je la trouve cruelle et inhumaine. Dans de pareilles situations, il convient à mon avis de montrer de la compassion envers un être humain qui va à la mort. Bien, la neuvième question. D'après votre lecture de cet extrait, dites si le narrateur mérite d'être condamné à mort. Justifiez votre opinion. Exemple de réponse. En deux étapes, ou en trois, on va voir. Cet extrait décrit le narrateur comme étant sensible. Oui, c'est la première partie. Ah oui, quand il était, voilà. Ivre et stupéfait, tellement étonné et désespéré, personne ne souhaiterait être à sa place. Cet extrait décrit le narrateur comme étant sensible, cultivé. Oui, si, que c'est quelqu'un, mais voilà, donc c'est une bonne personne, instruite, raffinée par l'éducation. Alors là, c'est des arguments. Trois arguments. Le premier, c'est le monde de la sensibilité. Du narrateur, le deuxième c'est sa culture et le troisième c'est sa bonne éducation. Ainsi, il a tout d'un être humain digne de respect. Bon, pourquoi ne pas respecter une personne qui a ces qualités-là? C'est pourquoi, malgré son crime de sang, oui, ben bon, oui, on sait qu'il a commis un crime, mais l'auteur, il a mis de côté, il a omis de parler de ce côté-là. Pour mettre en valeur l'humanité qui a dans ce qui vit, qui existe dans cette personne. C'est pourquoi, malgré son crime de sang, il serait difficile de ne pas le soutenir.